franchit la porte du studio, je vais envoyer le générique. Faut y aller parce que tout le monde est là. Alors ça, j'adore. Non, ta gueule. Ouais, très bien. Là, je suis hors... Je suis en train de dire... On est bon ? Oui. C'est bon, Tom ? C'est bon. Je lance le jingle. Adio ! Bienvenue à Radio Campus, émission Jazz Club, émission live au studio Full Moon à Figueroles. Alors, cette fois-ci, on va commencer l'émission par des remerciements. Nous remercions tout d'abord Chris de nous prêter ce lieu magnifique. Voilà, c'est tout. Et d'être là, mais je ne sais pas s'il est vraiment là. Je ne le vois pas encore, mais j'espère qu'il va arriver. On remercie Sam qui a réhabilité ce studio de A à Z, qui a viré les rats morts, les chats morts et tous les cartons de t-shirts de reggae qui étaient perdus ici, ainsi que les marimbas et les guitares sans cordes. Voilà. Nous remercions Alexis, l'ingé son Alexis Chevalier qui est là pour aider Sam dans sa mission impossible qui est d'enregistrer un groupe de bebop. Ensuite, nous remercions Karl Moussavou qui est aussi à l'origine de ce projet, du Cluster Jazz Club, et qui s'occupe de la programmation. Vous remarquerez que c'est la deuxième fois qu'il est là. Voilà. Et ensuite, nous remercions Tom, qui est venu, qui représente Radio Campus, et qui est là pour filmer avec son assistant Amine, qui est assistant, mais non moins professionnel. C'est nul, assistant, en fait. Non, ça va, ça marche. C'est mon label manager. Parce que stagiaire, c'est pas payé. Est-ce que assistant, c'est payé ? Moyen. Et ensuite, le groupe. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons Ezekiel au saxophone. Ezekiel Selada. Wow, il se passe des choses. Voilà. Donc Ezekiel Selada au saxophone alto, qui a monté le répertoire, qui a choisi les morceaux. Fred Léger à la contrebasse. Auguste Caron au piano et Karl Moussavou à la batterie. Voilà, on va faire un premier tour de musique ensemble. Vous allez nous jouer quatre morceaux. Il me semble qu'il y a trois compositions de Charlie Parker et un standard. Voilà, donc le premier morceau s'appelle Cheryl. Je vous en prie, les gars. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Qui s'appelle Confirmation.
Bravo, bravo. J'enlève mes bouchons. Oui, parce que c'est la santé. Ézéchiel, si tu veux, tu peux t'asseoir sur le caron magnifique, là. Tout décoré, le pur. On va faire une courte pause où je vais vous poser quelques questions. Mais c'est vrai que j'ai manqué à mes obligations de, d'animateur radio. J'ai rien à boire, en fait. Et même moi, j'ai soif. Donc revenez la prochaine fois. Il y aura plein à boire. Je vais faire installer un frigo ici. Mais du coup, je vais demander à Karl, parce que vu que c'est lui qui vous a programmé, c'est lui qui a aussi choisi le répertoire, il me semble. C'est un répertoire autour du bebop, c'est ça ? Alors, c'est un répertoire autour du bebop, effectivement. Mais l'idée, c'était d'être dans une chronologie, parce qu'on a commencé avec Wes Montgomery et l'orgue quand on a ouvert la première session avec Jules et Rémi Pelleras. Et là, sur le coup, j'avais à disposition Ézéchiel, qui vient souvent jouer à Montpellier en ce moment. Et du coup, l'idée, c'était de ramener quelqu'un d'extérieur, donc d'essayer de rester dans la continuité des années 50. Et l'idée, c'était tout simplement ça, quoi. C'était par on va dire par contrainte et ou pas. Et en même temps, voilà. C'était un hasard aussi, voilà. Okay. Et voilà. Donc, je me suis dit, bon, c'était pas mal de rester un peu dans cette époque-là pour l'instant. Et en fonction des musiciens qui vont se présenter à nous, dans leur disponibilité, on va certainement évoluer petit à petit. Vers d'autres sphères. Voilà. Ézéchiel, d'ailleurs. Oui, c'est moi. Qui a choisi les morceaux. Il me semble que hier, tu me disais que tu avais un vieil amour avec Charlie Parker et le bebop. Ah bah oui. Enfin, moi, j'ai commencé avec ça, du coup. Ornette Coleman, Ornette Coleman et Parker, tout ça. C'est un peu ma Madeleine de Proust, quoi. C'est ta Madeleine de Proust. T'as commencé directement par le milieu des années 40. Ouais, je sais pas pourquoi. C'est à peu près ce moment-là, le bebop. Ouais, un truc 45, chose comme ça, 40-45. De manière totalement arbitraire, quoi. D'accord. Et hier, tu me disais aussi qu'il y a pas mal de répertoires qui venaient aussi du... Parce qu'à un moment, Miles Davis jouait avec Charlie Parker. Ouais. Donc dans le choix du répertoire, il y a aussi quelques morceaux pas spécialement ou... Bon, non, c'était vraiment ce que j'avais envie de jouer. Il n'y a pas de pas de raison spécifique. Ouais, voilà, c'est pas obligé d'avoir des raisons. J'avais aucune raison. Le cœur, la raison du cœur. Voilà. Alors, il y a Auguste Caron qui est juste là, qui est le pianiste d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, j'ai le premier Cluster Jazz Club, la première émission que j'ai fait, j'ai passé un CD que vous avez enregistré tous les deux. Un projet avec Gilles Bertenet, Arthur Defrin. Et une petite intervention de Samy Calfoun sur un morceau. Voilà, donc, Auguste Caron, peux-tu nous parler de votre rencontre ? Comment as-tu rencontré ce charmant garçon ? Je m'en souviens, c'était à Paris. Et on s'est rencontrés à Paris, bizarrement. Alors que Aix-en-Provence et moi de Montpellier. À 1h30 de route, à peu près. Ouais, c'est... Ouais. Et voilà, on s'est rencontrés l'année dernière, avant le coronavirus et tout ça. On allait pas mal dans les boeufs à Paris et tout ça. Et puis, on s'est rencontrés là. Ok. Voilà. Et toi, t'habites à Paris, du coup ? Bon, plus ou moins. Enfin, j'ai un pied-à-terre là-bas. D'accord. Et toi aussi, t'as un pied-à-terre là-bas ? Moi, j'avais un pied-à-terre là-bas, ouais. Tu t'es fait virer. Ok. Mais de toute façon, on va pas parler trois quarts d'heure, parce qu'en fait, il est déjà 16h35, il me semble. Ça fait 35 minutes qu'on y est, c'est ça ? Fred, quand même, peux-tu nous dire... ce que tu fais là ? Qui es-tu ? Qui êtes-vous ? Je suis là parce qu'on m'a appelé pour venir jouer. Voilà. Et en ce moment, c'est dur de trouver des endroits où jouer. Donc, quand ça se présente, je viens. Voilà pourquoi je suis là. Parce que d'habitude, tu joues avec une des formations. Formations différentes, ouais. Mais surtout une ou. Non, ça. Non, ça dépend. C'est contrebassiste. Je suis la prostituée du jeu. D'accord. Mais jolie prostituée, grande. Et... Ah, elle est belle. Hein. Ouais, elle est belle. Aussi, hein. Elle a plus de 100 ans, celle-là. Ah ouais. Elle en a vu. Ouais, c'est. Moi, en tout cas, tu me régales. Donc, très bon choix. Je remercie beaucoup Carlito de venir d'aussi bons musiciens. Oh, c'est gentil. Et je pense que pendant votre set, je vais aller chercher de l'eau. Ah ouais, cool. Si je pense que ça vous dit. Yes. Est-ce que ça vous dit de reprendre là ? Oui. Ouais. De l'eau, ça vous va ? C'est On parfait. Boira de la bière après ? Oui.
Alors, vous allez enchaîner par segment, il me semble. Oui, c'est cela même. À vous les studios. Thank you.
C'est la jam de l'animateur. Grosse pression. Bon, tout se passe bien, hein. Vous avez de l'eau si vous voulez, les gars. Grave. Merci. Moi, j'ai un petit pied d'enfant.
Yes, coco. C'est facile quand les mecs ils sont forts derrière. Voilà, on va terminer par un dernier morceau. Et après, une petite pause et puis on ouvre la jam. Voilà, donc on va finir par Yardbird Suit, qui est une composition de Charlie Parker. Son nickname, son surnom, c'était Yardbird. Bird. Yardbird. Je vous en prie, les gars. Merci à vous les gars. Est-ce que vous êtes chaud? On est chaud. Vas-y, tempo.
Bravo messieurs, la bière sera méritée. Juste un petit mot pour remercier Christophe qui a monté ce studio, à Sam et Alexis qui étaient du côté de l'ingénierie de la table de mixage, je ne sais plus m'exprimer, c'est pas grave. Merci à vous d'être venus, le public. Merci à Radio Campus de rendre cette émission possible et d'avoir filmé la captation qui sera bien sûr en podcast sur Radio Campus machin Montpellier.fr, un truc comme ça. Mais tout le monde trouve. Voilà, la jam va commencer, profitons-en tant qu'on peut encore. Non, c'est nul. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? On ne sait pas. Merci Corentin. Allez, renvoie le jingle, il n'y en a pas. Allez, allons voir les cours. Yes.